matin, événement. Hi, this is Katy Perry. Katy Perry, en interview, dans le 6-9 de Nikos, une exclue énergie. Il y a 48 heures, nous avons rencontré Katy Perry à Paris, dans les coulisses du Zénith. On avait rendez-vous avec Karine et Mustapha, mais seul Mustapha s'est pointé avec moi. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est arrivé très rapidement, Karine? Gros problème de frigo, ça faisait 2 semaines que j'attendais. Non, mais vous allez rire, mais c'est vrai. Non, bah, il a rendu l'âme, donc j'ai perdu tous les aliments qu'il y avait dedans. Et j'ai dû attendre le mec qui est venu pour le réparer. Autant vous dire qu'il n'est pas, qu'il marche toujours pas. T'as posé un lapin, s'en fout, mais à quand Katy même. Perry pour ça. Pour ton frigo. Ouais, mais attends, mais comment je fais, moi? Je vais au resto tous les soirs quand même. Elle a planté, ça coûte cher. Elle a planté Katy Perry pour Arthur Martin, bravo. Ouais, pas mal. Gros, alors, quand on l'a vue, elle est arrivée très belle, très apprêtée, parfaitement maquillée. Elle venait de faire un défilé avec Castelbajac. Enfin, elle a assisté à un défilé de Castelbajac avec Kanye West, de la Fashion Week. Et Mustapha est arrivé. Première chose qu'elle lui dit, c'est « Oh, tu es très jolie. Tu fais « Oh, t'es belle, Katy. » Et voilà la réponse de Katy Perry. Thank you, Lucifer. Hello. Merci, Lucifer. Oh, you remember me? How do I forget you? Comment I try and just put you out of my system, but every time. J'essaie de ne pas trop penser à toi, mais c'est dur. Tu te rends compte, elle a dit put you out anything of my French, system. Even French fries, oh Lucifer. Même les fruits, tout ce qui est français, ça lui fait penser à toi. Et en plus, tu te rends compte, il n'est même pas français, il est marocain. I know. Yeah. Comment ça s'est passé à Paris? Hier soir, tu as chanté au Zénith. Comment ça s'est passé aujourd'hui? On m'a dit que tu allais voir Castelbajac. C'est vrai? Yes, this morning around noon, I went and saw Jean-Charles de Castelbajac, who is French and one of my absolute favorites. And it just so happened that my shows are during the fashion shows. Oh. What a lucky girl am I! C'est un heureux hasard que ses concerts soient pendant la Fashion Week à Paris. Donc ce matin, elle a eu la chance d'aller au défilé de Castelbajac, qui est un de ses préférés qu'elle adore. C'est un peu spécial, Castelbajac. Est-ce qu'il lui a montré des robes un peu bizarres? J'ai vu à la télé qu'il avait une robe en spaghetti quand même. I would wear everything. Yeah. Very unusual, but I like that. It's very unique. Elle aime bien justement, c'est original en fait ce qu'il fait. Yeah, there was one outfit that was just a bra, but it looked like gloves, like someone was holding the boobs. Don't do that. C'était un gorge en fait, mais on avait l'impression que c'était deux gants qui tenaient les seins. I want it. Tu l'as rencontré, donc ça s'est bien passé avec lui. J'imagine, et peut-être que tu le porteras lors de tes prochains concerts. And Kanye West was there actually. Et il y avait Kanye West. Yeah. Oh, I love your song. Do you like it? Infect me with your love, yeah. And fill me with your poison. You know, yeah. I love it. Ça parle d'amour extraterrestre, cette chanson? Yeah, the song is just kind of about being in love with a person from very very far away, a foreigner of sorts. La chanson parle d'être amoureux de quelqu'un qui vient de très très loin. Un peu comme Mustapha, like Mustapha for example. Like me, for example. Yes. Tu as fait le vidéoclip déjà, tu as tourné le clip? I have done the video clip and it's almost ready and it was done by Floria Sigismondi and she did like she did that program the movie about Joan Jett. Le film sur Joan Jett avec Kristen Stewart. C'est la même réalisatrice qui a fait la vidéo. Yeah, d'accord. And I saw about 30 seconds of it today. Mm-hmm. And it's amazing. Elle en a vu 30 secondes. Alors, aujourd'hui, il y a quoi dedans? Donne-nous un petit peu de biscuit. Donne-nous un petit biscuit. Dark Vador en string. Dark Vador en string. Because of aliens. We had more budget than that. Oh, non, so. I don't know what kind of music videos you're making at home. Ouais, elle sait pas quel genre de vidéo toi tu fais, mais bon, non. No, it's beautiful. It's kind of imagine if like you know the film Wall-E. You know that imagine it was like real life, but more with more characters, not necessarily a robot. And comme si Wall-E c'était dans la vraie vie, mais pas avec des robots. That's all I'll give away. Et alors on dira pas plus, voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Tu es très amie aussi avec Rihanna. On a vu que tu reprenais Only Girl dans ton concert. Et qu'est-ce qu'elle pense de ta version? Est-ce qu'elle l'a écoutée? Yeah, I do a medley. I sang Only Girl, Big Pimpin', Born This Way, and Whip My Hair back and forth. Oui, elle a fait un peu de tout. Elle a fait Whip My Hair de Willow Smith. Yeah. Elle a fait Born This Way de Lady Gaga. Yeah. Elle fait des petits medleys comme ça en fait. I'm a kind of a jukebox. Ouais. Jukebox ambulant en fait. Où est-ce qu'on doit mettre la pièce? Oh, oh, that's just a question. One for me, one for you. Okay. Fine. Fine, that was pretty good.
Ah, c'était bon, c'était bon. Un partout. Vous avez vu le jeu de ping-pong entre Mustapha ça n'arrête pas, et hein. Katy Perry. Ah, oui, et je sais pas si vous avez entendu. Bon, elle nous a dit plein de choses là quand même. Un, elle nous a parlé un petit peu du clip de son duo avec Kiani. Ah oui. J'adore cette chanson. C'est une tuerie, hein. Ouais. Ça, c'est la chanson de l'année. Vous verrez cet été, vous allez écouter que ça. Et deuxième chose, pour tous ceux qui ont assisté au concert, ça a été repris un peu sur internet, mais là elle le confirme. Mm-hmm. Elle reprend juste Born This Way de Lady Gaga sur scène. Et Frère Jacques aussi. Waouh. Ah oui, elle a chanté Frère Jacques. C'est... Non mais c'est vrai en c'est plus. Vrai, c'est vrai. Ce qui est dingue, c'est qu'on les a souvent opposés. Souvenez-vous quand elle avait critiqué les clips de Lady Gaga, un petit peu on touche pas au sacré, etc. Ben elle a, regardez là, elle arrive et très fair play, elle chante quand même le tube numéro 1 de Lady Gaga du moment, quoi. Ouais. Elle est plutôt, cette fille est vraiment cool et très intelligente. Elle est drôle aussi. Ouais. Elle a beaucoup d'humour. On l'aime. La suite de l'interview avec Katy Perry dans un instant. On parle de projets cinématographiques, du public français. Elle adore Paris, elle pourrait y vivre.